un téléphone portable. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux en ligne? Oui. Est-ce que, par exemple, certains d'entre vous utiliseraient Snapchat? Oui. Qui a Musical.ly? OK. Qui a Instagram? Cet atelier, c'est un atelier de prévention sur les questions de cyberharcèlement qu'on a fait avec des sixièmes à l'aide d'une ressource qui s'appelle Stop la violence. Le foulard dans la cour est déchiré. Il cache quelque chose. Oui, il cache quelque chose. De toute façon, elle est à moitié folle. Elle exagère tout. T'es pas d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez là que Layla, elle est harcelée ou pas? Elle reçoit aussi des messages inquiétants. Quand je sais que quelqu'un se fait harceler, ben, faut que tu en parles. La personne qui est harcelée, je sais qu'il faut lui parler avant de croire la personne qui nous a dit la rumeur, il faut lui parler pour être sûr de ce qu'il dit. Et généralement, quand ça se répète, qu'est-ce qui se passe avec la rumeur? Ça se modifie un peu. Nos élèves ont davantage accès à ces moyens de communication et n'y sont pas préparés. Donc le but du jeu est de les sensibiliser très tôt, dès leur entrée dans l'établissement, de façon à ce que derrière, on obtienne un meilleur climat scolaire, une attitude beaucoup plus respectueuse et des élèves qui prennent davantage soin les uns des autres. J'ai appris qu'il faut tout de suite en parler parce que ça peut devenir très grave. Si on est témoin d'une situation et qu'on répète l'information sans voir si elle est vraie ou pas, on devient un agresseur indirectement. Pour la Fédération française des télécoms, on a comme but d'être une industrie responsable. On évoque des sujets sérieux, on évoque des sujets difficiles, et on les évoque devant des élèves très jeunes. Et j'étais impressionnée de leur maturité, de leur réactivité face à ces problématiques.